Haïti paraît pour le subir dernière catastrophe naturelle quand il s'agit des politiques, bataille pour pouvoir. Et c'est ça qu'a fait journée aujourd'hui à la des groupes armés qui campaient en face pouvoir et révolution a prôné chaque jour. Est-ce que ça prêt pour le fait? Est-ce que tout libre à l'arrivée? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Sous-Sofer TV 83. Nous, c'est réseau information. C'est le moment pour nous porter pour divers points cap dominer actualité. Dans ce qui est la politique pays d'Haïti, plusieurs points sous table. Départ Ariel Henry, BESAP cap frappé et sécurité qui a continué à frapper pays a et en pile monde a posé cette question, est-ce que pouvoir Ariel là effectivement a privé 7 février. 7 février déjà paraît une date butoir. C'est ça colonel Rebu expliqué, l'el parlait à accord collectif 30 janvier, lui-même qui fait partie la donne qui c'est secrétaire général Gré, yo l'autre fois encore frappé porte pays a à qui on marche révolution. Qui prêt pour éclater, même je le dis tout, Kenya est pour rentrer dans le pays, mais ce n'est pas une bataille facile. Entre temps, il y a un ami Wendell, il a expliqué qui ça a passé, de même tout, il parlait avec Ariel Henry, elle expliquait la situation du pays a traversé fil en aiguille, il parlait d'elle, pas toi, que Ariel Henry. Bataille a déjà lancé. BESAP revient Guy Philippe. Est-ce que c'est pral yon bagay qui douce? Est-ce que nous pral kaken BESAP ap vinyan là? Est-ce que nous pral comparer 2024 à 2004? 20 ans après, yon gros bataille acharné te fait dans le pays. Je dis à la, bidon pas sonné. Et c'est sous route ça nouye pour la jouen yon l'autre rechambardement système ça. Mesdames, messieurs, sous Chanel Paola, dans le moment n'a parlé à la, colonel Rebu en direct, il a expliqué tout ça qui gen pour passer. Et toute salle te vle éviter qui pas de arriver. Jodi a en pile nèg armé gen zam nan men yo et bagay la pral vraiment gâté. Ou sous Sofia TV 83 réseau information. Colonel, so pense de BESAP. Bon, moi pas ka parler de BESAP parce que m'bago ken m pa parler sous bagay comme ça, sous bagay en lait. Et chers amis, moi même ka parler ça m'tendé. Et m'attendé de bagay extraordinaire. C'est quand vous m'entendez prendre l'obéir la pété là, m'entendez vous dire, je suppose que ce n'est pas vrai que le gouvernement écrit mon directeur général BESAP là pour le voir demander combien de monde il gagne. Pour le voir demander qui il gagne. Donc cela veut dire que c'est la débandade totale. Pour que vous dirigez l'État, il y a une structure de l'État qui est sous place. Et puis c'est nos crises là, vous demandez combien de monde il y a. Bon, qui a fait mettre le monde dans la vie? Bon, moi-même, je dis c'est menti. Même si vous avez fait ça, vous avez fait la cachette, vous n'avez pas quitté ça parler. C'est que vous dites, vous n'avez pas contrôlé rien. Si vous n'avez pas contrôlé rien, c'est que vous pas connaît, ou bien de mauvaise foi, ou bien complice. Est-ce que, colonel, ou pas quoi que BESAP est très utile dans la perspective de lutte contre les gangs? Pas BESAP. Pas BESAP en tant qu'entité, genre juridiquement, il y a l'existence. Mais les hommes qui composent l'ossature de cette structure, moi je connais très bien, ce sont des hommes qui non seulement formés, préparés, pas oubliés métier, bien que moi je suis en autorité, il y a fait promotion, il y a plein de choses. Bon, alors le gouvernement voué moi de BESAP effectif, bon, là il a fait inauguration, il a commissionner, promotion, pas faire la cachette, non, mes amis. Mais colonel, est-ce que l'Europe dit nous que vous connaissez que BESAP t'a constitué notamment dans ses militaires? Oui, en Gampil. Ok. Gampil, est-ce que vous avez utilisé, vous avez ceinturé le pays en 24 heures de temps, vous avez toute information de première main, vous êtes capable de contrôler tout le pays avec vous? Oui, mais colonel, ma BESAP, vous tout pas vous-même. Par contre, la jour, ce n'est pas trop intéressé, mais au grand exercice qu'on est obligé de faire, ou de gagner la forme.
et la force pour Goumé. Non, la forme où il doit créer lui son professeur d'éducation physique, ou pas besoin de moi pour mettre un nègre en forme. Ou il est bon médecin. Oui, bien, colonel. Même nègre qui est vieux, succès, ou qui a contrôlé son bonne structure médicale, ou bonne structure technique, ou vient dans ses pères, moi, pour mettre un nègre sous pied en un mois. En un mois. Même bonne si alimentation. Même si nègre est non 60 ans. Mais c'est pas, et qu'on pile quand on c'est pas la force physique. Tout se fait d'abord par le mental. Donc, Mounsayo, il y a un service qui est 40. En pile, énormément. Il n'y a pas de doute. Et pour que ça nous occupe? Bon, Allemagne et Dr. Ariel, c'est lui qui dit le premier ministre, c'est lui qui a dit. Merci, colonel. Mon dernier point pour avec vous. Une prolifération de mandats qui a pu mettre là, que la justice a pu mettre. Il n'y a pas de ou même, colonel? Oh, mais même des points jugés, les malais. Comme quand ça, j'ai dit, mais pas seul, on va jouer avec. Ok, d'accord, oui, faut aller. Mais est-ce qu'on comprend bagay ça? Là, moi-même, écoutez, ouais, c'est seul bagay ou pas jouer avec dans aucun pays, c'est la justice. Et maintenant, les gens qui ont une étiquette, ça c'est pas politique, ça c'est pas politique. Moi-même, comportement comme citoyen, que mal les juges là pour me limiter dans la prison et mal. Je suis prêt à aller. Je me rappelle que le secrétaire d'État, c'est mon bail qui était passé. Effectivement, elle était passée à mon secrétaire d'État. Il y a un juge, un jour, je recevrai un papier là quand même, qui je l'ai dit, il a besoin de moi. Je suis un avocat. Je dis à l'avocat, mettez le bail, il faut m'accompagner. L'avocat dit, il faut payer 3 000 $ pour l'accompagner. Pas 3 000 $, 15 000 gouttes, non? Mon avocat haïtien. Regarde l'avocat me sourit. Il dit bon, tout bon, sérieusement. Si je gagne 3 000 $, je dis non, c'est pas sérieux. Maintenant, je me suis fait accompagner d'un avocat. Il ne faut pas jamais faire ça, présenter devant un juge sans un avocat. Parce que on pile bagaille qui technique, que même si on a une connaissance, on ne peut pas maîtriser. Je suis allé, j'ai vu le juge. Il m'a interrogé pendant près de 2 heures de temps. Après interrogation, moi, sorti, il dit merci et colonel Rebus, si nous besoin encore. Oui, mais pendant le dit merci à tout, ça a besoin, c'est le déjeuner tout le temps. Parce que moi, je crois qu'on a une idée de prison, de dépôt. Ce n'est pas prison faite pour paix. C'est ça pour faire qu'il y ait maintenant une prison faite pour paix. Donc, colonel, démarche jugement selon vous-même, c'est normal. Je ne suis pas juger. Juge là. De qui ça, on juge décidé. Parce que juge là tout. Il a la loi sous tête. Li. S'il fait de violation dans la procédure, il est capable de faire face à la loi. Tout. Juge n'a pas sous tête la loi, il est pour le respecter tout simplement. Et je ne suis pas juge du juge. En tant que yon membre du gouvernement de Jocelyne Privert, qui est même tout grand mandat à Voye Bali, ou t'as conseillé M. Privert, président Privert, à répondre à la question du juge là? Je m'appelle Himmler Rebus. Oui, tout le monde connaît ça, colonel. Je m'appelle Himmler Rebus. Oui. Moi-même, moi dis où, moi connais une vie qui ça me fait, qui ça me pas fait, et mon comportement face à un problème de justice, c'est de répondre. Et au risque que je dois arriver juge là pour une décision contre intérêt immédiat, etc. Mais même ces comportements pas, ces attitudes pas. Maintenant, je ne suis pas capable de juger pour qui ça au monde décider du contraire. Je ne suis pas capable de porter jugement sur ça. Dernière question, dernier point, colonel, en quelques secondes, parce que je vais arrêter un peu le temps devant moi. Moi, nous avons une nouvelle matin, un rapport qui sortit dans la police nationale, à côté que tu as plus de 3 000 policiers, 3 200 policiers qui ont été révoqués pour abandon de poste, pour l'autre bagage et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous-même? Vous avez une réaction à ça, colonel? Bon, c'est une société un délitement général et qui tombe en faiblesse morale, qui vit dans l'inquiétude, et l'inquiétude, ça habite tous les cœurs. Ce n'est pas parce qu'on est son policier que qu'elle donne un wash. Il suspend le monde. Ils ont pile raison qu'il a fait le dans une situation, il est obligé de déplacer. Et ça, ça dépend de la structure qui a dirigé la police là. Qui pour prendre une décision, structure qui a dirigé l'État. Il y a un pile de monde maintenant en dans le gouvernement, monde qui est responsable de la justice, donc la police, qui a parlé quand vous avez ces informations pour eux. Cela veut dire qu'il n'y a pas un radar permanent sur quoi.
pour connaître qui inquiétude li gagne, qui problème l'a subi, qui déficience li gagne, comment pour entretenir moral pour cap gagne autorité mandé au faire service à faire. Donc il est très clair que la police fait partie de la société. Pour qui ça au conseiller premier ministre Ariel Henry ou dire mais ça pour ta faire et pour qui ça le pas faire d'après vous même. Bon, parce qu'il y a une contrainte personnelle. Bon. Et dernière fois, je rencontre avec elle. Je dis, écoutez, docteur, je parle avec vous. Vous avez une place moins du premier ministre. Là. Vous avez une contrainte personnelle, pas aucun baron. Moi-même, j'ai le devoir pour me dire, ça me pensait. Ça me croit qu'il t'a fait. Et je n'ai pas un monde qui vient parler parce que je viens parler. Je viens parler en tant que monde qui a une certaine expertise. Surtout une certaine expérience. Et ça arrivait plusieurs fois dans la vie. Il y a des choses qui font déclencher, je parle avec un qui est tête balle, je me dis, ah, attention, soupe en route ça, mais qu'on doit aller. Soupe en route ça, mais qu'on doit aller. Mais toujours temps. Il y a des fois où je viens comprendre ça, je me dis, il y a des blagues, mais deux ans passés, trois ans, sur trois ans, je suis toujours ouais. Parce que le moins dit une parole, moi pas dit une parole parce que je n'ai pas parler, non. Moi, je suis un qui passe dans l'école que l'Académie militaire d'Haïti. Comme nous pas apprendre à valoriser ça, nous gagnons. L'Académie militaire d'Haïti valorisé, c'est le monde que je forme dans l'Académie, élève-moi, aller aux États-Unis, dans des classes internationales, dans Fort Benning, tout partout. Il y a plein d'officiers ça côté formé qui est-ce qui formé parce que yo toujours sorti parmi les trois lauréats des classes internationales avec des officiers égyptiens, israéliens dans tout pays aux États-Unis. Maintenant comme nous mêmes nous pas jamais valoriser ça nous gagne. Le où nous pensons que m'cap vinn permettre moi vinn radio métropole pour me dire ça me senti, ça me t'aimer, ça me t'appeler. On parlait de premier ministre qui a gagné des contraintes personnel. Bien sûr, quand on arrive au pouvoir, on ne peut pas dire qui diable prend point. On ne peut pas dire que le diable prend point. La contre à ça, diable avec. Donc, je ne peux pas dire pour bel. En sérieux. Je ne peux pas dire pour bel plaisir et puis, il va le faire diable à manger lui et pour l'aller au contraire. Non, mais colonel. Tout le bagage nous est là-bas, si tu permets. Bon, font une parole longue, vine coûte. Ok. Tout le bagage qui là, c'est une imposture qui monte par des imposteurs. Et me gentil me dit spotia imposteur ndarin doit dire pas des volets, des volets physiques, des volets qui comprennent faut que passer par le pouvoir pour qu'on satisfait instinct. Donc yo prend pouvoir en otage et yo pas lâcher le temps que yo pas vienne monter sous lui. Sauf que alors dis-nous même si un pile monde mourir pas grand problème, c'est pas problème par eux alors qui peut vous penser tout monde t'a mourir comme c'est l'état pas frein. Moun yo kwè que bandi yo, c'est un marche-pied pour yo marcher, pour yo kap vin pran pouvoir, continuer faire même des autres yo ta faire docteur Ariel Henry, en complicité avec yo, parce que ça pour le ta faire yo, le pas faire yo, pour permettre de résoudre le problème non. Parce que quand pile moun ki kwè, si moun vin résoudre le problème non là, il n'y a pas même besoin d'une élection tout président. Or yo besoin de position président pour faire l'autre bagage. Ça fait un, les facteurs internes. Il y a un bagage qui va jamais parler. Est-ce qu'on analyse qui fait sur les intérêts que certains pays étrangers gagnent pour la situation en Haïti arrêtée janvier? Il n'y a pas jamais parler. Pour qui ça, d'abord même? Est-ce qu'il y a une étude qui fait sur ça? Parce que là, agitation dans le pays. Agitation pas jamais forcément toute source li dans ce qui passe dans le pays. Vous pensez qu'on met des... Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous avons tout à l'heure une belle petite blague qui dit les pays amis d'Haïti. Pas jamais de pays qui sont amis pays. Il y a un pays qui a intérêt à défendre notre pays. En cherchant une formule pour ne pas dire les pays amis encore, parce que nous devons dire les pays dits amis d'Haïti. Non, parce que nous par contre de qui ça n'a pas parlé. Et c'est parce que assez souvent nous pas prenons le temps de lire l'histoire générale. Et c'est ça fait nous qu'on a dit de bagaille, pas un pays ami. Donc c'est les pays qui ont les des intérêts. Les pays n'ont que des intérêts. Maintenant, il y a un pays qui a fait fête pour voir qu'il passe en Haïti. Parce que le bon oui. Qui doit même encourager. Parce que quand tu ne produis pas, tu dois t'approvisionner. Parce que les êtres humains, il faut vivre au quotidien. Il faut
consommer tout type de produits, des produits essentiels, des produits spatials, des produits de luxe, des produits, c'est pour satisfaire l'instinct. Mais si tu ne les produis pas, tu dois les avoir et les faire venir de quelque part. Mm-hmm. Donc, pays côté où apprendre, gain intérêt, tout le monde va acheter dans même. Mm-hmm. Donc, si au monde t'a capable de résoudre le problème, ça, vous pensez que le gouvernement ça, l'a mal roué monde ça? Qui gouvernement ça? Le gouvernement actuel. Mais il n'y a pas de gouvernement, il y a des prisonniers de certains intérêts que nous ne connaissons pas qui sont en tête de l'État. Ok. Lorsque on est, par exemple, à Guy Philippe, le débat qu'il dit dans 90 jours, le problème ça est capable de résoudre. Que soit pensé de ça ou même? Bon, moi-même, pas même quoi besoin de 90 jours. Pas même quoi vraiment besoin de 90 jours. Vous pensez qu'il peut résoudre dans moins que ça? Mais bien sûr! Bien sûr. 26 mounio toujours là, 26 mounio jovenel était là. Bon, il y a quelqu'un qui est en prison, il y a quelqu'un qui est démobilisé, il y a quelqu'un qui est dans la NAS, dans les filets des étrangers, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Mais la personne n'est pas le problème, c'est le système qui est le problème. Ok, s'il te dit 90 jours, ou même ce que tu as dit, ou même, colonel Ribu. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça n'est pas 4 parce que je suis extérieur aux institutions de l'État. Si je dis on demande un diagnostic spatial de la police nationale, je ne vais pas gagner. Mais quand quelqu'un pour me relever pour me gagner. Sans ce diagnostic, on ne peut pas faire aucune projection. Okay. Par exemple, je sais techniquement, le monde Kenya est venu, il fait 3 réussites. Sur le plan technique, ça ne va pas me rien si on dit. Pour résoudre la crise, je sais que c'est un mensonge. Par contre, pas aucun exemple pour analyser la situation ça, pendant 3 jours, pour dire qu'on fait un plan à partir de ça. Combien tu as besoin pour ça, d'abord même? Oh, situation haïtienne, moi même qui souterrain, il faut avoir des équipes multidimensionnelles qui ont fait 2 mois de travail pour bien maîtriser les données pour agir sur eux. Ou pas agir en matière de sécurité. C'est comme et pour une opération, l'un des docteurs a décidé de faire l'opération. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la biologie, des gens qui font des analyses. Il y a plusieurs spécialistes après avant de prendre une décision médicale. Il y a 3 points d'après moi avec vous rapidement, colonel. Ou toujours pas quoi que les Kenyans qui viennent là, s'ils sont venus, ils ne peuvent pas venir résoudre rien. Mais c'est une blague. C'est une blague. L'affaire du Kenya est faussée au départ. Faussée au départ. Sur le plan technique simple. Qui, dit-on, le Kenya va envoyer 1000 policiers. Donc, premier élément d'analyse, c'est 1000 policiers. Nous avons le mot policier. Maintenant, si c'est avec des policiers, vous voulez résoudre le problème, ça, moi, nous, bah, menti. Colonel. Une minute. Très bien. Maintenant, il y a un commandement, troupes là, à des policiers. Pas de aucun cas à travers le monde où on a une situation besoin d'intervention de militaires, pour un commandement des policiers, pour groupe militaire pour subordonner à la volonté au commandement des policiers, pas vrai? Et si vous avez un militaire institué au commandement? Il y aura besoin de venir. Il y a un militaire institué au commandement, il résout le problème. Non? Est-ce que colonel Ribou Pakoué n'a effet dissuasif, par exemple, de cet éventuel déploiement? Mais évidemment. Qu'est-ce que ça me l'a dit? Évidemment, la dissuasion existe. Mais ça me l'a dit, colonel. Par exemple, il y a une route internationale qui est bloquée par des bandits. Je comprends ça, dit à 5 sur 5. Très bien. Est-ce que là, par un petit côté positif Mais non. Pas oublier que nous poser hypothèse, résoudre le problème. Ne pas poser hypothèse, nous pas jouer un d'un problème. Non. Vous voyez la différence? Et le Kenya n'avait pas menti lors de ce type premier rapport là. Et ça, le te dit, te correspond exactement à ça, il est capable de faire, vraiment. Le jour que nous avons venu, nous avons sécurisé les sites stratégiques. Et nous avons pris le contrôle des axes routiers. Oui. Ça est possible. Totalement. Maintenant. Est-ce que nous avons capitalisé sur ça? C'est ça, c'est le cover-up operation. Pour faire un bagage qui a l'impression que nous avons une solution.
Ce n'est pas vrai. C'est comme si Pléa là, mais vous mettez un petit bagaille. Vous mettez un petit ben Edzouli. Oui, ça totalement faisable. Vous n'avez même besoin de Kenya pour faire. Vous n'avez même besoin de Kenya pour faire. Donc, ce policier que nous avons là, ajouté à militaire. Les forces internes ont une capacité pour faire. Très certainement, il y a un déficit d'information et un déficit de moyens logistiques. Et pour qui ça, d'après vous-même, autorité a opté, malgré tout, pour le déploiement des Kenyans? Parce qu'ils ont menti. Okay. Parce qu'ils n'ont pas besoin de Kenyans pour venir résoudre le problème de sécurité de la population. Ils ont besoin de Kenyans pour venir avoir une impression de sécurité pour faire élection bluff, pour mettre faux président, faux magistrat, faux député, faux sénateur au pouvoir pour continuer à faire même bagaille là. Ils n'ont pas voulu résoudre le problème, non. Le Kenya ne peut pas résoudre le problème qui est là. Le Kenya, femme qui a dépassé 2 ans, m'a dit ça, oui, sur la métropole. Oui. Il y a qu'à faire une cover-up opération. Ça, les États-Unis qu'à faire, le Canada qu'à faire, etc. Et c'est ça qui a été fait depuis le président Aristide Devine avec 20 000 soldats, lio, et après ça, il y a un ministre, ratata, ou bagaille, qui fait by impression. Comme problème n'a pas résoudre dans sa nature profonde, aller, même problème n'a recommencé. Mais pas dans le niveau ça, non, dans le moment où non, pas dans le niveau ça, mais c'est tiré racine ça, qui vient tourner gros pied bois que nous avons dit. Attendez, on dit que c'est président Jovenel Moïse avant de mourir que tu es désigné. Non, ça c'est une blague. Condition à quoi son journaliste senior, et pas je vous dis, on est mon premier ministre en Haïti. Processus qui pour permettre au arriver premier ministre, dis-moi qui, bon, seule condition que Dr. Ariel Henry réunit, président est nommé. La nomination est une condition, mais ce n'est pas la condition suffisante. Le nommé comme premier ministre, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir. Il n'y a jamais eu de transmission d'actes officiels. D'ailleurs, et c'est ça, oui. Le président Jovenel Moïse, crasé pays, en fait, pas lui-même, parce que vrai monde qui crasé pays, jusqu'à ce que pays a vienne crasé avec lui, il est tout vivant. Il est tout abjoué l'argent, il est fait. Il est tout même capable d'être en mascaille. Il y a peut-être une occasion pour remonter sous le choix là. Moun qui vrai moun qui tue le président Jovenel Moïse, c'est vrai moun qui tape bal mauvais conseil. Faire désinstitutionnaliser le pays, faire quoi que cap dirigé par sa seule volonté, et puis lui rentrer dans la spirale, jusqu'à ce que la spirale l'accrase lui-même. Maintenant, bagaille qui te fait sous président Jovenel Moïse, vient faire que lui-même comme président, il n'est pas capable de respecter les règles que la loi imposait pour le bon premier ministre. Même si président Jovenel Moïse était là, on va toujours mettre un bagaille derrière le premier ministre. Dans le pays où on a dit premier ministre AIPI, au premier ministre, cela veut dire qu'il y a une règle légale qui ne peut pas être respectée. La question, pourquoi? Donc, le docteur Ariel Henry est arrivé là où il est arrivé. Il a fait quelque chose qu'il a appelé un accord. Après 14 mois, il a rendu compte que l'accord n'est pas capable. Il n'est pas capable de respecter les règles. Si tu me permets une minute. Même bagaille a vienne arriver là encore. Il vient faire un autre bagaille que l'accord du 21 décembre. Après un an, il n'a pas fait un pas en avant dans sa salle écrit dans le papier le signé. Ce n'est pas parce que il n'a pas voulu, non? C'est l'imposture initiale, le mensonge initial. Soit dans tout papier, dans tout arrêté que docteur avec complice lio, il faut les appeler comme ça, c'est complice ministre, signé, parce que ce sont des actes officiels qui signent. Yo dit a dirigé pays sur la base de l'article 149 de la Constitution. L'article 149 de la Constitution dit qu'il y a deux cas qui prévoient. Si on bagay qui arrive président de la République là, dans la première et deuxième année de mandat là, conseil des ministres a réuni sous la présidence du premier ministre, il a assuré le pouvoir exécutif et il a fait élection entre 60 et 120 jours pour élu un président qui pourra faire restant président qui parle là. Premièrement,
Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si ça fait président par là, rivé sous quatrième année, à partir de quatrième année mandat là, qu'on y a ces devant parlement, il y a pour être capable d'élire un président qui a fait restant président et qui a pu le faire. Le président Jovenel Moïse a été assassiné même dans le début ou dans la cinquième année mandat là. Donc, il n'y a pas de cas côté conseil des ministres qui a réuni pour exercer le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de cas pour aller devant le Parlement pour élire un président. Parce que nous n'avons pas changé. Oui, mais pas de Parlement. Nous n'avons pas changé de temporalité. Nous n'avons pas de Parlement. Quand il n'y a pas de Parlement, au lieu de faire ça gain pour faire quand la loi est muette, et nous avons pensé à docteur qui a été assassiné en mettant droit Dorval, c'est ça, les formalités impossibles. La théorie des formalités impossibles. La théorie des formalités impossibles. C'est que le président mourit, formalité la loi dit pour nous faire, il faut aller devant le Parlement pour le cap et non président. Pas de Parlement. Pas de Parlement. Pour la seule alternative, c'est réunir les forces politiques, les forces morales, les forces sociales organisées. Nous dit, mais nous devant un drame, qui solution nous prend prendre? C'est ce qu'on appelle la loi des partis, nous déterminer où règle ensemble. Au lieu de faire ça, il dit qu'il a gouverné sous l'égide de l'article 59. Permettez-moi de vous comprendre un petit moment. Vas-y. Ou d'accord, tout le colonel, soutenant tout parti politique, vous dites, entendez-nous pour nous pouvoir au remplacement de Jovenel Moïse. Je vous dis, on a continué à gouverner. Moi, je suppose, Wendel, que l'on a commencé à faire ça, ou dit si. Oui. Oui, avec si, on peut tout faire. Avec si, on peut tout imaginer, tout faire. Ceci n'a pas été essayé. Et c'est la seule chose qu'il fallait faire. Et le 9 août 2021, je me suis rencontré avec Dr. Ariel Henry sous sujet ça même. Il dit qu'il pourrait faire un accord. Je me dis non, docteur, pas faire ça. Si il fait un accord, il a échoué. Il n'y a pas de bon résultat qu'on a prétendu gagner. Seul sorgue là réunit tout le monde. Avec deux aspects. Parce que une structure militaire, par exemple, pensait à une solution pour un problème. Il y a la solution, il y a le contraire de la solution. C'est une probabilité. Il faut analyser toute probabilité. Moi, je dis, ou bien quoi si dans le pays là, ou pas capable de prendre ça, mettre sous dos, quel que soit appui ou gain. Il faut avoir respect pour la population. Qui j'ont pris le témoin et respect ça? On a réuni toutes les structures politiques, les structures de la société civile, les structures morales. On va dire, mais ça crive le pays. Chahel a tombé sous dos. Comme on n'a pas décidé de loi dans le pays, ou même parce que les lois sont écrites et nous n'avons pas respecter ça, la loi d'IA. Donc nous demandons une concertation de 3 jours pour nous arriver à une décision ensemble. Soit dit là, d'évoquer la veille. Moi, je dis, il y a des possibilités pour pas qu'aucune entente qui joigne. Mais laisse avoir bien autorité morale pour prendre la nation à témoin. Pour dire, réunir toute force pays. Pendant 3 jours, il y a discuté, il n'y a pas dit qui gens que nous prenons sortir d'un problème, non? Voilà les règles que vous-même vous proposez comme premier ministre. Non, mais elle t'a dit déjà, par exemple, dans la dernière rencontre avec CARICOM, elle était là. Non, pas dans le CARICOM. Nous avons début histoire. Nous avons le 9 août. Non, vous comprenez. Nous avons le 9 août 2021. Les dîmes libres faire à quoi? On se parlait le 9 août. À quoi sort-il le 11 septembre? 14 mois après, samedi dit le 9 août, là c'est l'écrivain. À quoi? Pas mal de solution. Pour qui ça? C'est l'imposture, c'est le mensonge initial. Mais qui mensonge, colonel? Mensonge, je dis, à diriger le pays sous l'égide de l'article 149. Tout bagay où est, Dr. Ariel Henry Siyen, toute nomination où elle fait, yo, que c'est président Tedoué Fel devant tribunal qui pipiti, ou soulever l'exception de la mauvaise personne, moun qui pas gagne autorité, la loi va pas l'autorité faire ça, décision devrait tomber même côté. Ah ben ça, c'est ça qu'il faut dire tout à l'heure, pas jamais capable de bon élection qui c'est fait. Pour ça. Parce que, vous dites tout que c'est le président. Il pas gagne autorité pour convoquer le peuple en ses comices.
li pa gen autorité pour le choisir conseil électoral. S'il choisit conseil électoral là, il faut au départ. Oui, mais un accord peut l'autoriser à le faire, colonel. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui aurait dû être fait au départ. Et c'est pourquoi au cours des discussions qui gagnent depuis 2 ans dans le pays, Montana deal, Montana écrit, collectif la réunion nous deal. L'homme a tellement coincé, bon, mandé ouais et moi avec Dr. Ariel Henry à deux gens ouais nous à deux dans ce studio, sauf que nous en public, tout le monde a regardé nous. Moi, je dis, mon père, on nous compte qu'on prend le cap, mais machine nous est caché, mais lui, colonel, et le conseil des ministres dans tout ça? Le conseil des ministres n'existe pas dans cette décision-là. Ce n'est pas le rôle du conseil des ministres. Ok. Colonel, au cours des premières minutes de cet entretien que nous avons là matin, on dit que même si le premier ministre. Dans 10 ans. Tu as 10 ans encore. 10 ans. Tout ça l'a fait illégal, attaquable au départ. Nous d'accord. Élection dit le faire un gâté avant le commencer. C'est ça qui fait pas capable d'avancer. Ou pas, ouais, tu vas menacer nous, tu vas faire conseil électoral, tu vas faire élection. C'est un mensonge. Il est gâté avant le fait. Oui, mais ou quoi toujours, c'est un accord politique ou bien on chute attendait avec les partis politiques. Docteur Ariel Henry, tu as une possibilité pour te faire accord politique ça le matin du mardi, l'emfinoué avec là pendant mon carré comme yo était là. Et me discuter avec lui. Côté pays arrivé là, pour lui-même comme monde, seule formule qui vient pour le sortir, mais qui s'est accablé. Et m'a dit docteur Ariel Henry ça depuis le 13 juin 2023, au cours de la première réunion que nous avons à la Jamaïque. Moi, je dis, soit ou dit ou faire, écoute, quelle est la proposition du docteur Ariel Henry? L'a élargi à CT. Bon, ACT a son autre fiction, son autre mensonge. Au bout de mensonge, son bar qui a un gros pouvoir. L'offre va vous mentir. Spirale. Ou pas faire l'autre bar que vous l'autre mentir. Non, son menti pour couvrir, menti jusqu'à ce que vous allez devant juge ou avoué ou t'as pas menti. Bagayo, il est ACT. D'ailleurs, c'est seul côté docteur Ariel Henry qui va pas menti. Le écrit document, m'bat en Haïti, moi, lit document. Maintenant, de vous dit c'est madame Baniga, vous va le mettre dans ça, me dit non, ça madame Baniga balil. Parce que pas aucun cas qu'on t'a lu document ça ou t'a accepté à prendre responsabilité ça. Donc on pas d'accord au même. Mais il est illogique au départ et ce texte ça oui. Qui ça yo dit à CTI? Yo dit c'est deux monde que yo réuni. Qui pral monter un haut conseil de la transition. Ou quoi le premier mot que mettez à haut, son bail grand les net. Donc, premièrement, son subterfuge, c'est ça, m'a brûlé l'imposture là. C'est l'idée que Montana a été proposé pour bon collège présidentiel. Il prend même idée, il a essayé de contourner, il a le relève au conseil de la transition. Très bien, son nom. Il a dû aller au collège, il a dû aller n'importe qui non. Maintenant, il dit, qui pouvoir le gagner? Moun sa a réuni entre eux, autant que vous voulez. Mais il a réuni à premier ministre une fois par mois. Là, il prend décision, il a soumettre, son vieux verbe là, il a soumettre décision ça à premier ministre sous forme de résolution. Dans tout arsenal juridique, une résolution n'est pas contraignante, n'est pas imposable à mon qui recevoir là. Et que mon gars doit recevoir, le gars doit considérer, le gars doit pas considérer. Donc, mon assiette vient réduit à un simple rôle de conseiller. Et de conseiller qu'on n'aime pas au départ, il dit dans le texte là qu'ils ne sont rien. Que yo cap gain opinion, yo cap émettre opinion. Mais opinion pas contraint le gouvernement à rien. Pour qu'ils aient pour m'entrer là-dedans. Mais que nous même conseillers dans le cabinet. Pas besoin d'aller écrire au conseil de la transition juste pour qu'on ait des opinions que quelqu'un doit respecter ou pas. Donc c'est un mensonge, c'est un nouveau mensonge. C'est une imposture. Mais imposture, ça, il y a écrit, madame Aninga d'accord, il rentre là-dedans. Parce que moi-même, je connais pas pour rentrer. C'est ça, faut que vous voulez continuer avec imposture là. Il dit qu'il a ouvert HCT.
même pas cap bon bail pas bon et vous invitez me rentrer là-dedans pour te rentrer là-dedans vraiment. Oui ben colonel, vas-y. 7 février pas arrivé là. C'est problème docteur Ariel Henry avec population. Et pas problème docteur. Man. Problème docteur Ariel Henry avec population. Est-ce qu'on dit que c'est problème pas ou c'est pas problème pas? Moi même fait même toujours remplir rôle moi en Haïti. Toujours faire sa conscience de citoyen et d'officier me dit. Chaque fois mon balle pral vini, moi toujours dit attention. Route ça n'a pas là même côté le cap mené. Si me dans place nous t'a fait telle route pido. M'pa jamais critiquer. Sans pas dire pour qui ça me critiquer et sans pas faire une proposition tout. Allemand de docteur Ariel. Bon, allemand de Jovenel tout. Ah docteur. Ah, écoutez. Et situation pays a fait business personnellement crasé depuis avant Covid. OK? Et pendant la situation président de la République rile m jita nan bureau avec n'a parlé sous ba l'état l'a offre une possibilité qui j'aime ta cap vinn aider dans ba l'état ni le non président soit proposé m nan m t'ap malhonnête si m t'a accepté parce que son faux problème lié sous besoin résoudre li mais qui ça pour ta faire pour résoudre ou pas besoin pour ça. Donc son job main t'a bien besoin que m pas accepté prend parce que m respecte tête main. Moi pas de connait président t'a pral mourir j'ai eu des patchs là mais il était évident que il t'a pral lever en bail qui pas ça c'était évident. On pas dire ça hein, on pas dire il va lever un bagage qui pas ça mais bien sûr me dit ça le bagage de t'a pas c'est problème qui était lié avec à problème sécurité pays. Moi dit on relé pour résoudre problème bail. Non colonel, c'est pas ma fonction. Si vous voulez résoudre problème ça procéder à arrestation 26 ans nous et pour gagner la paix en Haïti nous tout prend pose nous pas ouais nous pas connait et la population a vivre en misère. Il y a pas une mission encore colonel qui est 26 mois ça ben c'est bien évident million faire mourir là on parlait de monde qui dans entourage lui ou bien oui mais bien sûr. Qui est ce monde qui a autorité alors même les mêmes ma pour en Haïti me sourit tristement. Qui est-ce qui a autorité dans le pays pour appeler ses âmes rentrer, balles rentrer, mounap mou ou pas dire, etc. Bagay pour faire pour contrôler ça. Parce que pape jamais cap éviter le totalement, pas jamais pas aucun pays qui réussit ça, même les États-Unis. Même les États-Unis. Vous comptez de temps en temps dans nos mounes pour les âmes lui entrer dans l'école, lui entrer dans l'espace où Dieu quantité monde. Donc il n'existe pas sécurité. Et full sécurité ou bien insécurité zéro, ça n'existe nulle part ailleurs. Mais il y a un État dont la première fonction, le premier travail, c'est d'assurer la protection de la population. Et quand il y a un malheur qui arrive, ou un dispositif, l'État intervient. Et l'État n'intervient jamais après. Moi, j'ai eu une interview vendredi et samedi. Je parlais du rôle de l'État dans la sécurité qui est l'anticipation. Tout le bagaille autant de manifestations, de bagailles, dans la rue, à faire des zones, l'État qui fait travail, qui fait ça. Fait. Le principe et les conditions de l'anticipation, les gens qui peuvent faire crime, ce n'est pas la Kaili qui a prêté la faire crime. La saute la Kaili. La faire dans l'espace public. Or, l'espace public est censé être contrôlé par l'État. Qui j'aime capable contrôle l'espace public pour être capable de vivre l'espace public là, posons Zach. Pire, les fins posent Zach là, et puis il fait 5-6 km, on va mettre sous les impossibles. Parce que bagaille, organisation du contrôle spatial dans l'espace public. Moi, je suis d'accord que bon, le pays n'a pas de conseil. À un moment donné, il n'est pas capable de faire, s'il fait, je n'ai pas de monde. Eh ben. Même j'en tour. Donc, mon guide qu'on fait le bataille, ou bien dans l'église, aller, non, vous pouvez faire. C'est un SOP que vous avez respecté. Je te mets des mounes en place pour respecter. Moi, j'ai envie vraiment retourner parce que, colonel, j'en ai parlé là. Haïtien qui fatigué avec la situation que nous vivons aujourd'hui, que ce soit insécurité généralisée avec toute composante liée. C'est comme si Mdadjou vous dit que nous avons de quoi, nous avons raison, et si nous, Pancanter, ou bien j'étais dans Biden, ou bien quitter le pays, parce que là, pas aucune garantie de sécurité ou encore de survie après ça n'a vivre là non aujourd'hui. Non pas voyer parole mais là pas voyer parole là non comme colonel on dit que nous même si 10 ans même si Ariel Henry pas jamais qu'a fait élection pour ces bon l'obé il fait mais alors que quelqu'un qui estimait que
Docteur Ariel Henry, pour qu'on parle tout, lui-même, l'illimité dans l'action. Il n'est pas limité. Non, mais Ousso dit qu'il n'y a pas fait que l'illégal. Au pouvoir, tu as les limitations que tu t'imposes. Pas jamais le monde qui a au pouvoir des limitations. Ce n'est pas vrai. Mais le pouvoir, il a la réalité du pouvoir, justement. Il ne doit pas qu'on ait. Hein? C'est ça, nous n'avons pas pu donner. Il ne doit pas faire. Et moi-même, je dis, docteur Ariel Henry, pas vle. Donc, et j'ai autorité morale pour me dire pas vle. Parce que moi-même, je chita par la velle en plusieurs occasions. Moi, je dis le côté le pralé, pas bon. Mais pour qui ça le pas bon, mais qui ça que tu as dû faire. Lui fait ça, me dit le pas faire. Après ça, 10, 12 mois, moi, je me raison, je connais, je me raison dès le départ. Parce que je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas là pour dire à la population, ça t'a rien entendu. Mon travail d'officier ne me le permet pas. M'pas cap parce que m'connais mon yotar mais sorti en bas sécurité a et puis m'vinn là dans radio métropole me raconter une histoire que t'as entendu. J'ai pas le droit moralement de ça. Très bien colonel, même envie comprendre un petit point là qu'on sautait évoqué. Et on dit que li capable pas vle faire un série de bagarre. Li pas vle parce que li gen réalité. Non bah dis non m'affirmel. On affirmel. Mais on t'a dit avant tout que en pile l'action que l'a posé illégal. Non, dès le départ. Dès le départ. Maintenant, maintenant qu'il a la réalité du pouvoir. Maintenant, quoi faire? Quoi faire? C'est ce qu'on appelle en théorie juridique la loi des partis. Tout à fait. Maintenant, quoi faire? Quoi faire, colonel? Ce qu'il fallait faire. Moi-même, moi, je dis. Non, on va dire ce qu'il fallait encore, là, colonel. Parce que là, non, nous, mais, dans le présent. Non, le docteur Ariel Henry a choisi d'entrer dans la spirale. Pour qui ça, c'est l'autre question. Et lors d'entrer dans la spirale. Par contre, sous compte, ça a les bayou, les dans de l'eau et. Tourbillon. Tourbillon. Lors d'entrer dans le tourbillon, par exemple, on nage. C'est loi physique de la nature qui a décidé de sort. Ou bien la virer, la voyou en l'air, elle tombe sous rive là, ou bien la boyou. C'est là que le docteur Ariel est entré. L'entrée dans la spirale. Malheureusement, nous, dans la spirale là, avant, limitez-nous la donne. Et j'ai autorité morale pour me dire limitez parce que il pas capable de dire pas de connaît. Parce que le premier jour où je lui ai parlé, c'était le 9 août 2021. Après quoi, c'est une prise de position publique que Grete prend. Pour te dire, situation nous est là, le premier mouvement à faire, c'est de mettre en place une structure technique sur la sécurité qui t'a fait pour gagner un minimum de 11 personnes. Pas qu'on gagne un monde qui est spécialiste, c'est expert qui est capable de résoudre le problème qui est là pour quoi. C'est comme la médecine, c'est tout un corps de métier pour mettre ensemble. Et où il y a environ 11 spécialistes connus qui vivent en Haïti, je vais dire convoquer Mounsao. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui vont rentrer nos diagnostics général de la situation pour qu'abriver à des décisions. Ceci n'a pas été fait. 11 mounes dit. Oui. Ou pas qu'abriver. Même sur les mêmes lèvres, vous connaissez ça, me connaît. Dans tout le monde qui là, je connais tout ça, je connais. Et je connais tout le monde qui connaît ça, je connais. Nous connaissons le premier mouvement, c'est les gens qui connaissent ça, pas connu pour nous monter en équipe. L'heure finale d'analyser la situation, nous faisons des prospectives et qu'on est à la recherche de l'appui logistique et technique pour aborder le problème. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas ça, ça presque sine qua non. L'incontournable. Ok. Maintenant, et nous-mêmes dans tout ça, nous-mêmes, simples citoyens, capitaine de pays changé. Nous avons subi la déficience de la gouvernance. Haïti, pourquoi il y a un problème du tout? Moi-même, j'ai estimé que il y a un problème. C'est le jour où fait. Ça me connaît qui fait pour faire là, il n'a pas réussi. Or, même dans les meilleures études stratégiques, la possibilité de l'échec est toujours incluse. Il faut envisager. C'est ça que fait face à un problème. Il faut que solution A, solution B, solution C, et les Américains allaient même dans la solution D. Son même problème. Où sont les gens qui sont gravés là? Dis-moi. Où disent-nous pour qu'on ait un problème, non? Parce que, alors que. Pour nous avoir un problème, faut nous faire ça, la science dit, pour nous faire face à un problème, ça, nous pas réussi, si les gens n'ont pas un problème, pour nous pas essayer un rien.